נטל השברי שהבוטח באלוקים אינו מצטער לא כשנבצר ממנו להשיג את מבוקשו ולא כשחסר לו מה שאהוב לו celui qui est בוטח בשם n'a pas de צער il est מאמין בשם בוטח בשם ni quand il n'arrive pas à atteindre ce qu'il demande. Tout le monde veut des choses dans ce monde. Tout le monde veut des choses. Ah, il aimerait avoir telle chose, tel vêtement, tel costume, il veut acheter telle voiture. L'homme s'en est marre. Chacun, on a tous des besoins dans ce monde. Tous. Et on n'arrive pas à combler tous nos besoins. Parce qu'on demande toujours plus que ce qu'on a besoin. C'est comme ça, c'est l'homme. On ne se contente jamais de ce qu'on a, c'est naturel. On veut toujours plus. Ce plus-là, parfois on arrive à l'atteindre, parfois on n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas? On a du tsara. Qui a du tsara? Celui qui n'est pas mamine. Celui qui est mamine Bachem, jamais il a du tsara. Il a réussi à avoir ce qu'il a. Il a essayé, il voulait acheter telle chose. Il a réussi à l'avoir. C'est bien. Il n'a pas réussi à l'avoir, c'est aussi bien, c'est pareil. Velo que chez Hasser lo ma chez Ahouvlo, ni quand il lui manque ce qu'il aime. Un homme, quand il lui manque ce qu'il aime, ça entraîne du tsar. Le Boter Bachem, même s'il lui manque ce qu'il aime, le Borem le tsar. Il y en a, quand il manque ce qu'ils aiment, ça veut dire Shabbat à table. Moi, j'ai vu de mes yeux, parfois, le pain n'était pas très bien fait par la madame. Elle a brûlé un peu le pain. Oh, comment? Shabbat! Shabbat, comment? Ou la plata, elle s'est pas allumée. Il y avait le problème dans la minuterie. Il lui manque ce qu'il aime. Comment? Shabbat! Ou le boter, monsieur. Celui qui boter, monsieur. Il est ma'amin, quand je vous dis qu'il va manger froid la daf Shabbat. Ou il veut manger cet aliment-là comme ça, ou il ne veut pas le manger du tout. Hachem Echlit. Azaïn Otsa. Toujours sa mère. Toujours sa mère. Beoulo Ger et Mash et Yeshlo le Atid. Il ne stocke pas ce qu'il a pour le futur. Il a maintenant un peu d'argent. Oui, il y en a, ils ont un peu, ils économisent. Ils mettent de côté, viens, on met de côté. Pourquoi tu mets de côté? Il n'y a pas de bitachon. On ne sait pas, on ne sait jamais, demain peut-être. Alors pas qu'il met de côté parce qu'il compte acheter quelque chose qui vaut une certaine somme et il est obligé de mettre de côté pour acheter cette chose-là. Non, il met de côté comme ça pour rien, on ne sait jamais, demain. Mets un compte, ferme un compte, mets là-bas de l'argent, on ne sait jamais. Ah, c'est celui qui n'est pas boter, Moshe. Celui qui boter, Moshe, il est ma'amin, que si Hachem lui a donné cet argent maintenant, c'est pour qu'il utilise lui-même pour ce qu'il a besoin. Et s'il n'a rien besoin, c'est pour qu'il le donne. Voulant Mishtadel Yoter Mikede Parnasato. Il n'est pas Mishtadel de travailler plus que ce qu'il a besoin pour sa Parnasa, celui qui m'a mis de ma chère. Il travaille comme les Chachamim dans la Gemara, ils étudiaient. Mais à un moment, ils avaient faim. Il n'y a pas de quoi acheter à manger. Ils arrêtaient une seconde le limoun, ils allaient couper du bois. Il prenait le bois, il allait au marché, il vendait le bois, il recevait quelques sous, il achetait avec ça à manger, et il continuait à étudier. Voilà comment il travaillait à l'époque, les gens qui travaillaient. Les gens qui travaillent, enfin. Le Rambam dit que celui qui travaille, il travaille maximum 3 heures par jour. Celui qui travaille. Ve'en ou matrid et marchevotav al machiye machar. Il ne préoccupe pas ses pensées. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Comment on va faire demain? Comment on va faire avec les enfants? Comment on va faire avec le loyer? Avec la maison? Avec ci, avec ça? Combien les gens ils ont la tête farcie d'inquiétude? Tout ça, ça vient d'où? Il n'y a pas de bitachon. À cause de ça, même les gens ne peuvent pas étudier la Torah. La majorité des gens, d'Armes Israël, pourquoi ils étudient pas la Torah? Parce qu'ils ont de l'inquiétude, la Parnassa. Si on leur montre qu'ils auront leur parnassa tous les mois comme prévu,
Ils ont un problème d'aller étudier la Torah? Non. Quand on étudie la Torah, c'est pareil. Tu montres au dentiste, il aura ses 10 000 euros à la fin du mois. Tu montres à celui-là, il aura ses 2 000 euros. Et de toute façon, chacun aura la parnassa qui a été fixée. Il a un problème d'aller étudier la Torah? Non. Après, il n'étudie pas. Parce qu'il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Être, ne pas être sûr, ça veut dire manquer de bitachon. Un homme, il ne sait même pas quand est-ce que ce sera la fin de sa vie. Alors comment il peut s'inquiéter de ce qu'il y aura demain? Comme il y a écrit dans la Gemara que quand Hashmeda il accompagnait Shlomo HaMelech, il a vu là-bas quelqu'un qui demandait une paire de chaussures. Oh, comment on dit celui qui fait les chaussures en français? Cordonnier. Et tu me donnes une paire de chaussures qui tient 7 ans. Et Hashmeda, il a rigolé. Il dit, celui-là, il ne sait pas s'il va vivre 7 jours. Il veut une paire de chaussures pour 7 ans. Non, tu demandes. Tu fais des projets pour beaucoup d'années. Un homme, il sait combien de temps il va vivre. Il sait si demain, il est là avec lui. Quelqu'un peut être sûr que demain, il est là? Personne. Personne. Alors, si un homme est sûr qu'il va vivre demain, pourquoi il n'est pas sûr de la même façon qu'Hachem lui donnera de quoi vivre? C'est une contradiction. Alors, t'es sûr que tu vas vivre, d'accord? Parce que tu fais des projets maintenant. Tu mets de l'argent de côté, compte d'épargne, pour 20 ans. Le crédit. Donc, t'es sûr que tu vas vivre au moins 20 ans. Alors, pourquoi t'es pas sûr que celui qui va te donner la vie pendant 20 ans, il va pas te donner aussi de quoi vivre pendant 20 ans? Mais pene, sheo, ben, ou matrin, mershemotav, mken. Pene, sheo, zocher, tamid, sheo, yoda, matayagia, ketzrayav, kshem, sheo, boteach, ale, elokim, sheo, lo, etzrayav. La même façon qu'il est sûr qu'Hachem lui donnera la vie, car, ou boteach, alav, sheazmin, lo, yachad, imchayav, et parnasato, et mezono. Mande, yaiv, haye, yaiv, mezone. Celui qui donne la vie, il donne la parnasa. Ça va ensemble, la vie, la parnasa. Parce que pour vivre, il faut une parnasa. Il ne se réjouit pas d'un bienfait qui doit lui arriver dans le futur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore arrivé maintenant. Maintenant il y a quelque chose? Non. Ah, dans un an je vais gagner, dans un an j'aurai. Ne te réjouis pas de ce qu'il y aura demain, parce que tu ne sais pas s'il y aura demain. Il n'a pas peur non plus d'un danger qui est censé l'atteindre dans le futur. Ne t'inquiète pas du lendemain. Tu sais pas ce que chaque jour peut apporter. On sait pas. Peut-être demain, cette personne-là n'existera même pas. Alors il s'inquiète sur un monde qui ne lui appartient pas. Mais qui sont? Le Ma'amin Bachem, il n'a pas d'inquiétude sur le futur. Sur le présent, il vit, donc il n'a jamais d'inquiétude. Sur le passé, s'il est inquiet, il faut qu'il aille chez le psychiatre. La seule inquiétude du Boteach Bachem, c'est peut-être... Je ne remplis pas mes obligations par rapport à Hachem. Peut-être ma avodat Hachem, elle n'est pas parfaite. Peut-être je ne fais pas bien les choses. Il fait en sorte de remplir ses obligations comme il peut. De manière chitzonite, ça veut dire les actions. Les actions. Comment on fait les actions? Comment on accomplit les mitzvot, les zrizout? Besimcha, tout ça c'est epnimiyut, c'est les midot. Mipene shu hoshev al yom moto ulbo yom ptirato. Parce que celui qui m'amine Bachem, à quoi il pense au jour de sa mort, le yom de sa ptira, c'est ça qui le préoccupe. Le m'amine Bachem sait très bien que toute la vie dans l'Olam Hazé, elle est passagère. C'est éphémère. On n'est pas venu dans ce monde pour ramasser des choses dans ce monde. C'est quoi son inquiétude? Yom Moto.
comment il va monter devant Hachem, comment il va acquérir toute sa vie éternelle. Et tout ça dépend de ses mitzvot et de ses ma'asim dans ce monde-là. Il le sait tout ça. La pahat shelo, ben yagia moto pitom, toute sa crainte, toute son inquiétude, c'est peut-être qu'il devra mourir subitement. Gorem loto sefet, ishtadlot, ozrizot, bachanat, sedal, hayon, lamaba. Alors ça lui entraîne, qu'il rajoute la zrizot pour préparer son lamaba. Chaque jour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est un cadeau énorme. Ce jour-là, on peut remplir encore. Encore des provisions pour le chemin. Encore une mitzvah. Il mange du pain le matin. Il fait Netilat Yadayim. Vous savez c'est quoi Netilat Yadayim? Combien de kdusha et de orot immense un homme prend sur lui quand il fait Netilat Yadayim? Énorme. Il se dote qu'il y a dans Netilat Yadayim. Après il fait Amotzi. Après il fait Birkat Amazon. Mitzvah t'as assez d'oraita. Fais Birkat Amazon le matin. Quand il fait Birkat Amazon, il donne des kochotes dans le ciel pour qu'on lui donne son Amazon, pour qu'on lui donne sa parnasa. Et ça chaque jour, jour après jour. Alors il doit profiter de ses journées. Il doit profiter de ses journées, il doit profiter de chaque action qu'on a. Parce que chaque action qu'on a dans la journée, c'est ce qui nous permet d'atteindre l'Olam Haba. C'est ça l'inquiétude d'un juif. L'inquiétude de ce qu'il va gagner, et les clients, et les machins. Pourquoi? C'est pourquoi faire des clients? Pour acheter encore une voiture? Pourquoi faire? Pour avoir des soucis dans ce monde-là de l'argent? Pourquoi faire? Quelqu'un qui a de quoi manger aujourd'hui, et qui dit qu'est-ce que je vais manger demain? C'est Mikatne Amana. Mikatne Amana. Il n'est pas Mamine. Après il vient, il dit Ani Mamine, il chante. Ani Mamine. Ve'emuna shlema. Ve'viyata Mashiach. Ani Mamine. Hein? Fran Bergen, là. Qu'est-ce qu'on chante là-bas? Il m'amine, Mashiach, il m'amine, m'amine. Ata m'amine, Golgach, ata m'amine. C'est pourquoi tu t'énerves au téléphone quand il te dit non, le client. Hein? Ah, mange pas, hein, tu sais, oui, il m'a pris, il en est. Eh, faut, hier soir, t'as chanté, Ani m'amine, Ani m'amine, Ani. Il m'a ta m'amine, Golgach, chef, il m'a Torah, il m'a ta m'amine. C'est tellement t'es m'amine, bah, Mashiach. Qu'il n'y a que celui qui est enseigne la Torah qui sera présent à la venue du Mashiach. Parce qu'il n'y a que la Torah qui permet de se lever à Triat HaMetim, comme c'est écrit dans Brachot. Il m'a kol kach ma'amin ba Mashiach. Il m'a kol kach ma'amin be emuna shlema. Chef Tilmad. Parce qu'il écrit ici que le ma'amin enseigne la Torah. Il m'a mitzvot. Il m'a ma'amin. Pourquoi quand il n'y a pas d'argent, t'inquiète? Même quand il y a de l'argent, il est inquiet. Et plus il y a de l'argent, et plus il est inquiet. Marbe Nechazim, Marbe Daaga. Ça montre que la Emouna, elle est mamache, très très extérieure. Très extérieure. La dernière couche qu'il y a à l'extérieur. On va à l'intérieur. Plus on avance dans l'intérieur de l'homme, et plus on voit que la Emouna, elle est loin de lui. La Pachachelo. Il donne aucune importance à ce qu'il prépare en Olam Hazé pour le Olam Hazé. Ce Olam Hazé n'a aucune valeur à ses yeux. La Mishnah dans Pirkei Avot dit: fais tchouva un jour avant ta mort. C'est ça la kavana, il dit l'homme. Faire tchouva un jour avant la mort, c'est ça la kavana. Toujours. Pas parce que l'homme croit que demain on va mourir vers une vie d'angoisse. Non. Et là, kavana, que puisque la mort arrivera un jour, et que de toute façon l'homme ne prendra rien de ce monde-là, donc qu'est-ce qu'il faut ramasser dans ce monde? Ni des diplômes, ni de l'argent, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut ramasser de ce monde? Il faut ramasser de ce monde des mitzvot. והם פרשו מאמר זה כך, ישוב היום שמיימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה. כמו שכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. ואילו מי שאינו בטוח באלוקים,
מצטער מאוד על שמעורות המתרחשים בעולם הזה פוגעים בו תמיד לרעה. Celui qui parle au terre Hashem, c'est l'inverse. Il a beaucoup de tsar que les événements de ce monde-là peuvent l'atteindre. Il a du tsar, pourquoi il n'a pas d'amis? Pourquoi il n'a pas des gens qui sont... Pourquoi il a des ennemis? Un homme a beaucoup de tsar de l'union de la Khevra. La Khevra, c'est la société. Être entouré d'amis, c'est le tsar de beaucoup de gens. De paraître bien aux yeux des autres. Et si quelqu'un dit quelque chose de mal de lui, combien il est très très peiné, combien ça l'affecte. Valma chez l'homme a séguet mais vous cachot. Il arrive à atteindre ce qu'il a besoin, ce qu'il demande, ce qu'il veut. Et il ramasse de l'argent. Kilou gotearch ou loy azov et taorlam azé, comme si qu'il est sûr qu'il ne quittera jamais ce monde. Il y a des gens, ils ont des millions. Il y en a, ils ont des milliards. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des milliards. S'il arrive à 1 milliard, déjà, il est très haut placé dans les riches. Mais il y en a, ils ont beaucoup, ils ont des dizaines de millions. Aussi des centaines de millions. De dollars, d'euros. Même s'il ne travaille pas toute la vie, et il dépense toute la journée son argent, il y en a, il a fait son anniversaire, 50 ans, 60 ans, j'ai oublié combien, quel âge, il a fait son anniversaire sur une île. Il a pris une île entière avec un bateau. Il a fait son anniversaire, 50-60 millions d'euros. Son anniversaire. Il a invité tout le monde. Le bateau, il a loué, il a pris toute l'île, tout le bateau, 60 000 euros, 60 millions, millions, je dis, d'euros, son anniversaire. Oui. C'est quoi 60 millions d'euros pour lui? Il fait son anniversaire. Il se fête lui-même, il s'est fait un cadeau tout seul, mister. Rien que l'idée de se fêter son anniversaire, j'invite tout le monde pour mon anniversaire. Tout le monde n'a rien à faire de ta tête. Ils ont tous gagné un séjour gratuit, une croisière. Et merci. Joyeux anniversaire, hein, mon ami. Todarabba. Il s'est payé son anniversaire, miskin. Au lieu que quelqu'un lui offre 60 millions d'euros de son anniversaire, c'est lui-même qui s'est offert son anniversaire. 60 millions d'euros. Ils n'ont rien à faire avec leur argent. Ils ont trop d'argent. Trop, ils ont des centaines de millions. Parfois, il y en a qui ont des 2, 3, 10 milliards. Je sais pas 10, je sais pas s'il y a un personnel qui a 10 en privé, je crois pas. 4, 5, 6, je sais pas c'est quoi le plus riche du monde. Peut-être 10, là il y a. C'est quoi 3 milliards. C'est combien de centaines de millions 100 millions et 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 100 millions. Hein? Il y a plusieurs raisons. On a vu déjà plus haut. Alors, le point qu'on veut parler maintenant, c'est qu'il a tellement d'argent. Pourquoi il cherche encore de l'argent? Je te parle de juifs. De juifs, peut-être même un peu irait jamais. Pourquoi il cherche encore de l'argent? Il cherche. C'est pas quelque chose de logique. Il peut s'arrêter de travailler. Lui, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, ils font rien. Et il reste encore de la monnaie. Et ils vivent comme des milliardaires. Pourquoi encore travailler? Et encore une affaire, et encore un truc, et ramasser, il s'arrête jamais. Comment c'est possible? Il dit le Rav. Ou batouar shoulo yazov et taolamazé. Il est sûr qu'il vivra à l'éternité. Il n'y a pas une autre réponse. Le Zohar, il dit ça. Il dit que l'homme pense qu'il vivra à l'éternité. Ramasse. On ramasse, t'as 50 ans. Combien il te reste? Maximum 50. Même si 13, 50, déjà à 90, tu peux même plus manger. Oui, donc il te reste 40. De 60 à 80, le corps il est démonté. 70 à 80. D'accord? Mal au dos, mal aux oreilles, il n'y a plus de dents, il n'y a plus de trucs. Ouais. Il te reste quoi? De 50 à 70, combien il te reste? 20 ans. 25 ans. Qu'est-ce que tu ramasses encore? Et là il dit, 25 ans, moi? 25 000 ans. Minimum. Minimum. Comme ça, il est persuadé. Il a pas peur de la mort. Il dit la mort, ça arrive qu'aux autres. Il
il ne réfléchit pas à quelle sera sa fin. Il ne fait pas cas de son état spirituel. Maïma Torah, maïma mitzvot. Oui, je fais, je donne la tzedaka, oui. Au kakael. Ketzad ou mekayem ta Torah. Efo vaegit abo yomam valayla. Où est la tfila bekamana? Où est la kirat shema? Bezia, beretet. Efo birkat amazon. Un qui mange et il boit comme un animal. Il n'a pas préparé aucune provision pour l'Olam Haba. À quoi ça va ressembler? Sa place éternelle va ressembler à quoi? La sécurité qu'il a de penser qu'il va vivre à l'éternité dans ce monde, c'est elle qui lui entraîne la ta'avat toujours de vouloir profiter encore plus et encore plus. Chacun il a des idées de fou dans leur richesse, chacun il fait des choses, il veut épater de plus en plus, alors il ne sait plus quoi inventer. Mais quand j'ai un mochichim oto, melamdim oto, quand on vient lui parler à cet homme-là, on lui dit, jusqu'à quand tu vas, il faut penser au lamabba, faire les mitzvot, comme ça on va le voir. Qu'est-ce qu'il répond? Quand est-ce que je m'arrête? Quand j'aurai assez d'argent. Pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, jusqu'à la fin de notre vie. Alors là, là, je serai tranquille durant la mazé, et je me libérerai, pour faire des mitzvot et aller un petit peu à la synagogue. Et il ne sait pas, misken, que personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il y aura demain. Personne ne peut savoir ce qu'il y aura demain. Et lui, etc., il est là, pousser l'homme. Prendre du ranamazé, apprendre, prendre, prendre du tanougim, prendre des zé, prendre des zé, prendre des zé, et personne ne sait ce qu'il y aura demain. Vadaï que celui qui est raham, Iftor Bashem, Kachat Torah, Kachat Mitzvot, Ma'asim Tovim, à part ça, on l'a répété plusieurs fois, le vrai plaisir du ranamazé, c'est là-bas que ça se trouve. C'est là-bas que ça se trouve. Dans, ici, dans les Mitzvot, dans la Torah, c'est là qu'on kiffe le plus. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là, son anniversaire, 60 millions de dollars? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était assis quoi? Il a fait quoi? Il a vu tout le monde manger, boire et se saouler comme des... Non. Quel plaisir il a eu. Tu les vois, moi je les vois de mes yeux, tous ces riches là, qui veulent se faire des kiffs, ils font des grandes choses. Tu les vois, ils sont assis comme ça, au milieu de tout le monde, avec la tête de Tisha B'Av. Tu les vois. D'un autre côté, tu vois les Chachamim, tu vois les Tzadikim, tu vois ceux qui sont en Skima Torah, qui aiment la Torah, qui ont réussi à percer le Yetzarara, ils ont réussi à atteindre le plaisir du Esek HaTorah. Tu les vois dans un Beth Midrash, leur visage rayonne. Un nouveau Pshat, un nouveau Tirouz, une nouvelle Zé. Wow. C'est la Simcha. Qui ça, c'est vrai? C'est vraiment la Simcha. La Torah, ça donne la Simcha à l'homme. Torah Tachem Temima, le Shivat Nafesh. Ça donne Shivat Nefesh là. Ça donne du Nachat à l'homme. Ça rassasie l'homme là. Alors que rien dans l'Olam Hazeh peut rassasier l'homme, comme le spirituel, les mitzvot, la Torah, les Ma'asim Tovim, le Moussa, ça peut rassasier l'homme. Shem Yizakim. Baruch Adonai L'Olam. Amen.